Good morning, Aleiden, les tutras aujourd'hui, les Lunishmat, Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Peggy Bat Esther, Zara Bat Mazatov Shiporti, Moshe Ben Sultana, Zohara Bat Rosette Bat Sultana, Moshe Rachel Ben Machlouf. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Sanhedrin Perek Aleph Mishnah Hey. Ein danin lo et hashevet, ve lo et nevi hasheker, ve lo et hakohen gadol, ela al pi bet din shel 71, ve ein mosifin lemilchemet harishut, ela al pi bet din shel 71, ve ein mosifin al ha'ir ve al ha'azarot, ela al pi bet din shel 71, ve ein osin sanhedrayot lishvatim, ela al pi bet din shel 71, ein osin ir hanidachat, ela al pi bet din shel 71, ein osin ir hanidachat basfar, ve lo shalosh, aval osin achat o shtaim. Depuis le début du Pérec, on a parlé des tribunaux dans lesquels doivent siéger 3 juges. On a vu des cas avec 5 juges, 7 juges, 10 juges. Dans la Mishnah précédente, on a parlé des condamnations à mort avec 23 juges. Et là, on passe à la vitesse supérieure, la haute cour de justice, le Sanhedrin Gdola, le Sanhedrin qui était au Bet Din, où il y avait dedans 71 juges, la plus haute instance où il y avait les plus grands rabbanim qui siégeaient là-bas. Et pour certains dossiers, ils ne peuvent être traités que par le Bet Din, le Sanhedrin Gdola, le Sanhedrin Agadol de Yerushalayim, où il y avait là-bas donc ces 71 juges. De manière générale, ce sera plutôt des dossiers à conséquences nationales. On va plus juger un individuel en tant qu'individuel, mais plutôt en tant que ce qu'il représente, comme ce qu'on va tout de suite découvrir le cas. On ne jugera pas une tribu entière ou la majorité d'une tribu. Velo et nevi asheker, ou encore un faux prophète. Velo et kohen gadol, ou encore le grand kohen, le grand pontife, le kohen gadol, le grand kohen du Beth Amikdash qui entrait dans le Kodesh HaKodashim. Donc on ne le jugera tout cela que elal pi bet din shel shivim ve'echad, avec le tribunal qui comporte les 71 juges. D'abord les 71 juges, vous devez sûrement connaître ça du Chumash. Il y avait Moshe Rabbeinu qui était le grand maître, et Adam Sefer Bamidbar, Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem d'être aidé, et Hachem lui a dit ben, désigne 70 juges qui étaient les 70 sages. Depuis, ils ont formé ensemble les 70, c'est devenu maintenant le premier Sanhedrin qu'il y a eu. Et chaque fois qu'il y en a un qui décède, on fait entrer quelqu'un d'autre à la place. Et donc on est resté avec les 71 juges. D'accord ? On en reparlera. Les chiffres de 23 et 71 seront détaillés dans la prochaine Mishnah, ou les deux, la prochaine Mishnah. D'accord ? On reviendra là-dessus. En tout cas, donc, pour ces 71, si on veut juger la majorité d'une tribu, de quoi on parle plus précisément ? D'abord on traduit la première partie, après on revient dessus. Velot Navi Asheker, encore le faux prophète. Velo et Kohen Gadol, ou donc le grand Kohen Gadol, juste avec 71. J'avais déjà traduit, j'ai déjà oublié. C'est pas grave. En tout cas, le Shevet, de quoi on parle précisément? Un petit peu d'introduction, puisqu'on va en avoir besoin pour la suite de la Mishnah. Lorsque quelqu'un transgresse de la Avodah Zara, il fait de l'idolâtrie, alors il sera condamné à mort par un Bet Din classique, un Sanhedrin de 23 juges. Ça, et il sera condamné aussi, c'est déjà on a qu'à le dire, il sera passible de mita de skila, il sera lapidé. Ça c'est quand c'est individuel. Il y a une halakha spéciale lorsque c'est toute une ville ou la majorité d'une ville qui fait de la avodah zara. Il y a une halakha ce qu'on appelle la ir hanidachat, la cité maudite, où il y a eu la majorité des gens qui sont partis faire donc de l'idolâtrie. Alors la Torah nous précise deux choses. Tout d'abord, tous ceux qui ont tué seront nisrafim, ils seront brûlés. Il y a de la chose comment brûler exactement, en lui faisant boire du plomb bouillant, on lui brûle par l'intérieur. Et à part ça, on détruit tous les biens de la ville, même de ceux qui n'ont pas fauté. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la Irene Dachat. Et on apprendra dans la fin de Mishnah que la Irene Dachat aussi, elle doit être décidée avec un Bet Din, un Sanhedrin de 71 juges. Maintenant, un cas particulier d'idolâtrie, c'est ce qui est écrit, je vous explique selon Rebbe Weiger. D'accord ? Tout ce que tu expliques différemment à la fin de la Mishnah, mais tout ce que Rebbe Weiger explique comme ça, c'est beaucoup plus facile à expliquer, donc ça me plaît, donc je vous le dis. Rabbi Akiva Meir explique que là, on parle de quel cas lorsqu'on doit juger la majorité d'une tribu. On parle que la majorité d'une tribu a transgressé la Avodah Zara. On aurait pu croire que dans ce cas-là, alors il n'y a pas de statut de Irani Dachat, mais étant donné que c'est la majorité d'une tribu, à titre d'individuel, certes,
mais étant donné que c'est la majorité d'une tribu, on devra les juger par le grand Bet Din de 71. D'accord ? On a maintenant le Navi Sheker, c'est le faux prophète. Le faux prophète, un prophète vient et affirme qu'il est prophète. On lui dit, écoute, on ne va pas te croire. Uniquement si tu nous donnes, on ne te croira que si tu nous donnes un signe. Il doit donner un signe avec un Shinui Teva, quelque chose qui va se passer, un phénomène qui va se passer. Ça peut être une pluie en plein été, ça suffit. Demain, il va pleuvoir. Croyez-moi, il doit apporter un signe, même sans Shinui Teva, mais quelque chose de particulier qui s'est passé, quoi. Et donc, par exemple, une pluie en été, comme on a dit. Et ensuite, une fois qu'il a... Donc le signe s'est réalisé, alors maintenant il va nous dire, sachez qu'Hachem a demandé qu'on fasse telle ou telle chose. Dans la mesure où il ne contredit pas la Torah, on le croit. S'il a donné une halakha qui contredit la Torah, alors après il y a plusieurs halakhot, ça dépend, est-ce qu'il a contredit de manière pondérée, une seule fois, ponctuelle, ou bien est-ce qu'il est venu dire, cette halakha que vous faisiez jusqu'à maintenant, elle s'annule, dans ce cas-là on lui tranchera la tête. Il sera ce qu'il a plutôt, on ne tranche pas la tête, on le lapide. Maintenant, pour le lapider, tout ce sera rapporté dans la suite de Sanhedrin. On parlera longuement de tout ça vers la fin des préquels de Sanhedrin. Et donc, en tout cas, on devra le juger et condamner par le Bet Din, le Sanhedrin Gdola, le grand Sanhedrin de Yerushalayim, avec les 71 juges. Idem aussi avec le Kohen Gadol, quelle que soit la vera qu'il transgresse, puisque c'est un représentant très important du peuple, on devra le juger avec les 71. On continue ensuite. On ne sort en guerre, mais en guerre de reshut, soit une guerre qui n'est pas de mitzvah. On va expliquer tout de suite. On ne sort en guerre que alpi bet din shel 71. Pour décider est-ce que l'on sort ou non, il faut convoquer un bet din, le Sanhedrin des 71 juges de Jérusalem, avant de s'en dire vers une guerre. De quoi on parle exactement? Il faut savoir dans la Torah, il y a deux sortes de guerres. Il y a les milchemet mitzvah et milchemet reshut. Milchemet mitzvah, c'est de tuer la conquête d'Israël avec les sept peuples. Ça, c'est milchemet mitzvah. Et aussi, faire la guerre contre Amalek, tuer Amalek. Donc ça, c'est milchemet mitzvah, on n'a pas besoin de convoquer les 71. Par contre, les milchemet reshut, comme la Gemara rapporte, à notre époque, ça peut un peu choquer, mais en tout cas, on n'a plus d'argent chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le voisin, on lui fait la guerre, on le gagne, et puis on prend tous ses biens. Ça va se passer comme ça, plus ou moins. Donc en tout cas, la Mishnah nous enseigne que on ne partira en guerre de Reshut qu'avec le conseil, en ayant convoqué le conseil des 71 juges du Sanhedrin Gdola. On continue. Ein mosifin ala ir ve'ala azarot ela alpi bet din shel 71. Maintenant, on parle d'un autre sujet. La ville de Yerushalayim, elle a une certaine taille. Supposons que maintenant on a envie d'élargir ses frontières, alors on va avoir un problème. Il y a plusieurs halakhot qui dépendent de la Kdusha de Jérusalem, de la sainteté à l'intérieur de Jérusalem par exemple. Dans Yerushalayim, on pouvait manger le maaser sheni, chose qu'on ne pouvait pas faire dans les autres villes. On pouvait manger les korbanot kodashim kalim, shlamim, on pouvait les manger à l'intérieur de toute la ville de Yerushalayim. Supposons maintenant qu'on a envie d'élargir Yerushalayim et rajouter une petite bande de 1 km de large, tout autour de la ville, par exemple, on a envie de l'élargir. Maintenant, comment va-t-on décider que la ville élargie, maintenant, elle prend le statut de Yerushalayim avec la Kdusha de Yerushalayim? Alors, il y a des halakhot, ça c'est plutôt détaillé dans le Sechet Shvuot, dans les détails. Comment est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses très sympathiques à faire, c'est un très beau, une très belle cérémonie. On marche tout autour de la ville avec le... En tout cas, là-bas, il va falloir un Sanhedrin aussi. Il va falloir marcher avec le Sanhedrin. Et le Sanhedrin, ce sera les 71 qu'on apprend ici. De nouveau, donc, c'est ce qui est écrit. En mosifin ala ir. Si on veut ajouter sur la ville, rendre la ville de Jérusalem plus large. Ve ala azarot, ou bien même rendre le Bet Amikdash, le Harabait, on veut l'élargir un peu plus. D'accord? Gdushatan Gdola. Je suis un peu étonné parce que comment c'est possible de rajouter? Bon, c'est un problème personnel. Je viens de me soulever une question intéressante. Je ne vais pas vous en faire part, on a déjà une Mishnah avant. Donc, on veut aussi élargir les Hazarot du Bet Amikdash. Alors, on devra le faire avec 71. Ma question est que ça se passait qu'avec prophétie, comme la Gemara le rapporte. C'est des mesures exactes par rapport au. Bon. Ela Alpi Beddin Shel 71. Seulement avec un Beddin, un Sanhedrin de 71, de nouveau.
sin sa nidrayot le shvatim, elle a l'pi beddin chez les shvim ve'echad. Chose évidente. Chaque tribu et dans chaque ville, shvatim shoterim titanecha bechol sharecha, il y a des lechot qui sont précisées à la fin du Pérec. À partir de quand doit-on instaurer une instance, un tribunal de 3 ou de 23 dans chaque ville, ou pour chaque tribu aussi. Des fois, si on a deux tribus qui cohabitent dans une même ville, il faudra pour chaque tribu mettre un beddin. Alors, qui devra désigner le tribunal des 23? Réponse, le Sanhedrin Gdola. De nouveau, le 71, c'est ce qui est écrit ici. Et aussi le Sanhedrin, les châtiments de France, Sanhedrin. Le mot Sanhedrin, c'est simplement une cour de justice. Ça peut être de 23 comme 71. De manière générale, il est vrai qu'on parle du Sanhedrin, on dit directement le Sanhedrin, on fait allusion au 71. Mais en réalité, c'est parce qu'on met le Hea Yedia, on le désigne en disant le Sanhedrin, le grand Sanhedrin. Mais tout tribunal s'appelle déjà un Sanhedrin, donc c'est ce qui est écrit ici. On ne fera un Sanhedrin pour les Shevatim, soit une instance avec 23 juges, et l'Alpi Bet Din Shel Shivim Ve'echad, uniquement par le grand Sanhedrin de Yerushalayim de 60, qui désignera les 71 juges. Les 71 désigneront le 23. Venosin Iranidachat. Alors maintenant on revient sur la Iranidachat qu'on a introduit. La cité maudite, lorsque la majorité de la ville a fait de la Avodazara, lorsque on va devoir maintenant, vous imaginez bien, il y a une ville d'Israël qu'on va rayer de la carte, on va faire sortir tous les habitants, ceux qui ont fauté comme ceux qui n'ont pas fauté. Ceux qui n'ont pas fauté, ils pourront aller se réfugier dans une autre ville. Mais ils devront y laisser tous les biens à l'intérieur. Et tout ce qu'il y a dedans, on va mettre le feu, on va tout brûler. Toute la ville, et ce sera même interdit de reconstruire, va être à Tel Olam. On ne pourra plus la reconstruire, cette ville. De ce fait, ça a une conséquence à échelle nationale. Donc, El Alpi Beddin, Shel Shivim Ve'echad. Tout ça, ça se déduit des psukim, bien sûr. C'est pas sans philosophie directement. La Torah, elle l'a donné. Elle a dit pour ça. 71 pour ça. Et des limoudim pour tout ça. Donc, El Alpi Beddin, Shel Shivim Ve'echad. On continue avec deux petites précisions sur la Iranidachat, la cité maudite. Venosin Iranidachat Basefar. On ne fera pas de ville, de cité maudite, de Iranidachat, cette halakha-là de détruire toute une ville parce qu'ils ont fait de la Vodazara. On ne la fera pas Bisfar. Le Sfar, c'est une ville limitrophe qui est à la frontière avec l'ennemi. Vous imaginez bien, si on va se mettre à brûler, c'est comme ça que ça va porter dans le Rambam. Dans la Gemara, dans le Rambam, Martenora. Si toutefois, il y a une ville qui est à la frontière, qui a transgressé la voie d'Azara, si on va se mettre à brûler la ville, eh ben, l'ennemi va commencer à plus entrer chez nous, Chas v'Shalom. De ce fait, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de faire de Iranidachat sur une ville qui est à la frontière. On jugera chaque, je suppose, le Martenora prête un petit peu au doute, mais en tout cas, tel que je suppose que ça se passe malgré tout, c'est qu'on jugera chacun un titre individuel, on ne fera pas le statut de la Iranidachat. Chacun l'a transgressé de la Vodazara, donc on lui fera ce qu'il a, on ne lui fera plus le statut de la Iranidachat. Velo Shalosh, aussi, on ne fera pas trois villes. On ne fera pas trois Iranidachat. De quoi on parle exactement? Deux choses rapportées dans le Barthénora, ça fait une petite discussion comment les interpréter, c'est-à-dire deux paramètres. On ne fera pas trois villes à Nidachat, trois cités maudites, une à côté de l'autre, ça fait un trou trop grand sur la carte, c'est pas bon. Et aussi, le même Sanhedrin ne fera pas trois Iranidachat. Soit, c'est discuté comment l'interpréter, soit c'est deux paramètres qui se... soit l'un, soit l'autre, soit on ne fera jamais trois villes de Iranidachat, même avec trois Bédines différents. Et à part ça, le même Bédine ne pourra jamais faire trois Iranidachat, même si elles sont séparées. Soit en fait, c'est deux conditions. Soit on ne fera pas trois villes, une à côté de l'autre, par un même Bédine. Mais par contre, trois villes séparées par un Bédine, ouais, deux ici et une à l'autre, de l'autre côté du pays. Ou encore, trois villes, une à côté de l'autre, mais prononcées par trois Bédines différents, même deux Bédines différents, alors là, ce serait permis. C'est discuté. La deuxième solution, la deuxième option, c'est ce qui est rapporté dans le Rambam. Elle est rapportée ici par le Tosafot Yom Tov. D'accord? Donc, on ne fera pas à quoi il arrive. On a ici un intérêt, en tout cas, ce qu'il veut. Un même Bet Din, qu'on ne fasse pas trois Iranidachat en même temps. C'est trop violent. C'est un même Bet Din qui vient rayer de la carte une parcelle de terre trop importante, quoi. On ne peut pas le faire. Vaval, Osin, Achat, Oshtarim. Par contre, on pourra faire une ou deux villes. On fait à présent le Barthénora. Il y avait marqué « Endanin lo et hachevet » on ne jugera toute une tribu. De quoi on parle ?« Robo shal shevet shavdu avodazara bemezid » Si la majorité d'une tribu a fait
de l'idolâtrie, consciemment. On ne les jugera que par le Bet Din de 71. Il y a un pasouk qui précise pour l'idolâtrie de l'individuel que tu feras sortir celui qui a transgressé El Sha'arecha sur tes portes de tes villes, là où siège le tribunal de 23. L'individuel, donc je déduis. Ish veisha tamotzi el sharecha, un homme ou une femme, tu les fais sortir à tes portes, là où siège le tribunal. Veiha tamotzi et hashevet el sharecha. Par contre, la majorité d'une tribu, tu ne la feras pas sortir à tes portes, mais plutôt el bet din agadol, tu devras l'amener au grand bet din, au grand sanhedrin de 71. Velo et navi hasheker, le faux prophète. Gamar davar davar mizaken mamre. On apprend l'origine du Nimoud vient de la halakha du Zaken Mamré. Zaken Mamré, ce sera explicité, je crois, dans le 9e Pérec ou 10e Pérec, ou peut-être 11e de Sanhedrin, vraiment à la fin de la Masechet. C'est quelqu'un, c'était un des grands juges du Sanhedrin, qui a décidé d'en faire qu'à sa tête, contre l'avis de tout, normalement on doit trancher selon la majorité. Et la majorité a tranché une chose, et lui a dit, moi je veux faire autrement. Il a commencé à faire autrement et à enseigner aux autres de faire autrement contre la loi qui a été tranchée par la voix de la majorité. Alors il a un statut spécial de Zaken Mamré. Lui maintenant, le Zaken Mamré, là-bas c'est précisé qu'on ne parle que de celui qui a été Cholek, qui a discuté contre le Sanhedrin Agadol, le grand Sanhedrin de 71. Donc de là-bas on apprend qu'il faut que le Navi Sheker devrait être jugé par il y a un limoud, un mot qui permet de juxtaposer. Ouais, c'est la Xera Shava. Je sais pas si on a déjà expliqué ça. Il y a des. On tient par transmission depuis Moshe Rabbeinu de comparer certaines parachiotes par d'autres parachiotes grâce à des mots juxtaposés d'une paracha à l'autre. La Torah, elle a mis un mot ici, elle a mis un mot dans une autre paracha, elle a mis un autre mot pour te dire fais le pont entre les deux, apprends les halakhot de l'un pour l'autre. Donc là, c'est ce qu'a écrit Gamar, Davar, Davar, Mizaken Mamré. On apprend du mot Davar et Davar, qu'a écrit dans la parasha du Zaken Mamré. Maintenant, précision, le Zaken Mamré lui-même, une fois qu'il a fait sa Avera, pour le juger, on pourra le juger avec 23 juges. Mais en tout cas, pour faire sa Avera, de discuter contre le Sanhedrin, c'est uniquement contre le Sanhedrin de 71. Ktiv Acha, maintenant, où sont marqués les mots Davar, Davar, qu'on a rapporté? Ktiv Acha, Asher Yazid, le Daber, Davar. Il y a marqué ici que pour le Navi Sheker, c'est qu'il a osé dire les Daber Davar, parler d'une chose. Il y avait marqué le mot Davar. Vektiv Bezaken Mamre, et il y a marqué contre le Zaken Mamre là-bas, Kipale Mimcha Davar. Dans la parasha là-bas, il y a marqué le mot Kipale Mimcha Davar. Quand il y aura une chose que tu ne sauras pas trancher, tu devras monter à Yerushalayim, ça n'a rien de là. Ma Zaken Mamre Bebet Din Agadol, autant que pour le Zaken Mamre, le. Vieux Zaken Mamré. Littéralement, Zaken, c'est le vieux qui est Mamré, qui renie. Il renie ce que ses autres confrères du Beddin Agadol ont tranché. Donc, de la même manière que là-bas, on parle du Beddin Agadol, dirti vekamta avalita. Là-bas, il y a marqué vekamta avalita, tu te lèveras et tu iras, tu monteras à Jérusalem. Afna vesheker ve Beddin Agadol, idem pour le faux prophète, il devrait être jugé par le Beddin Agadol. Velo et Kohen Gadol, on ne jugera pas non plus le Kohen Gadol. Le grand prêtre, d'Amar Kra, le pasouk dit, et adavor agadol yaviu elecha, dvarav shel gadol yaviu elecha, ou moshe bimkom shivim vechan kai. On se rapporte cette fois-ci dans la paracha de Yitro, lorsque Yitro a donné le conseil à Moshe Rabbeinu de déléguer un petit peu, de nommer des juges subordonnés, et qu'eux s'occuperont des petites choses, et toi, Moshe Rabbeinu, tu t'occuperas des grandes choses. Et là-bas, on apprend des grandes choses, et adavor agadol. C'est quoi le Davar Agadol, les grandes choses? Dvarim Shel Gadol, les choses du grand, qui sont le grand de la génération, un des grands de la génération, donc le Kohen Gadol. Ensuite, Ven Motsin le Melchamet Arashut, on sort pour faire une guerre, de guerre qui n'est pas une mitzvah, d'accord, où il n'y a pas d'interdit. Kol Melchama, toutes les guerres, Chus Melchamet Shivat Amemin, ou Melchamet Amalek, à l'exception de la guerre de conquête des sept peuples, lorsqu'on a conquis la terre de Canaan, des sept peuples, ou Milchemet Amalek, et la guerre de contre Amalek, que cela, toutes les autres guerres sont appelées Kouria Milchemet Arashut, elles sont appelées Milchemet Arashut. On ne peut sortir en guerre, donc, pour toutes ces guerres qui ne sont pas de mitzvah,
qu'avec, quand c'est en concerté avec le tribunal des 71. D'où on apprend ça, Dirtiv ben David, comme il a écrit un passouk sur avec David dans le livre de Divrei Hayamim. Ve'acharei Achitophel ben Yahou ben Yehoyada. Après Achitophel, il se concertait avec ben Yahou ben Yehoyada. Qui était Achitophel? Achitophel Zeyoetz. Achitophel, c'était le grand conseiller. Ouais, lui donner des conseils, est-ce que ça valait le coup, est-ce que ça allait être profitable ou non. Et ensuite, il allait se concerter avec Benaya ou Ben Yehoyada. C'est qui? Zo Sanhedrin, Shaya Moufle Shemekulan. C'était la tête du Sanhedrin, Benaya ou Ben Yehoyada. Vekulan, Igrari, Macharav, tous vont d'après lui. Donc on a rapporté le nom du grand boss. Mais en réalité, on inclut en fait tous les 70 qui étaient aussi avec qui l'accompagnaient. Ensuite, on ajoute sur. On élargit la ville à la Ir, Yerushalayim, Shigdushata, Gdola, Migdushat, Char, Eretz, Israël. Yerushalayim qui est d'une sainteté plus grande, il explique pourquoi. Donc, puisqu'elle a une sainteté plus grande, Mekudeshet, que toutes les autres villes d'Israël, et si on veut ajouter sur sa Gdusha, donc il faudra 71. Veha Azarot, les Azarot, les parties annexes, je ne sais pas comment ça se traduit, les cours autour du Beth Amikdash, Kdushata de Gdola, mais Kdushat Yerushalayim. Leur Kdusha est plus grande que celle d'Yerushalayim. Et Yevchar le Chadesh Kdusha, et là, Bebedin Shal Shivim Vechad. On ne pourra innover de la Kdusha, de la sainteté, élargir la sainteté de cette ville, que par un Beth Din de 71. D'Amar Kakar, le Pasuk dit, Kechol Asher Ani Mare Otecha, Vechen Tassou le Dorot. Et le passage sur la fin de la construction du Mishkan, Hachem dit à Moshe, comme ce que je te montre qu'il faut faire aujourd'hui pour le Mishkan, ainsi vous ferez aux générations à venir. Donc, ma Mishkan Kadosh Alpi Moshe, autant que le Mishkan a été sanctifié par Moshe, Shubim comme Sanhedrin Gdola, Moshe représente lui-même les Sanhedrin Gdola. On parle toujours du grand. Ouais, je me suis fait juger par un tel. Ça signifie qu'il y avait un tel et son Beth Din, tous ses subordonnés qui l'accompagnaient. Mais pourquoi je dis que j'ai été jugé par un tel? Parce que c'était lui, le Rosh Sanhedrin, ou le Rosh Beth Din. Idem, lorsque la Torah rapporte que Moshe devait faire une chose, Moshe, ça implique Moshe et tous les subordonnés, les 70 Kenim. Les sages, Afledorot, Tosefet, Ahir, Vazarot, Alpi, Sanhedrin, Dola. Idem, pour la génération à venir, on ajoutera sur la ville et les Hazarot, par le Sanhedrin Gdola, le grand Sanhedrin de 71. On ne nommera de tribunal de cour donc pour les villes, pour les tribus, que par l'intermédiaire de 71 juges, Kedashkachan, Bemoshe, Deoke Sanhedrin, comme ce qu'on a vu que Moshe Rabbeinu a lui-même nommé des Sanhedrin hôtes, des Sanhedrin pour les autres tribus. À plusieurs occasions, je ne sais pas, après le Chet à Hegel par exemple, Moshe Rabbeinu il a nommé, il y avait aussi une autre fois, et aussi avec les Bnot Moav, là-bas il y a marqué où Moshe a nommé que chaque, il a nommé des juges que chacun s'occupera de sa tribu. Ouais, on lave le linge sale en famille, c'est exactement ça. Pour chaque tribu, je ne vais pas moi partir me faire juger chez un tribunal Thémani du Yémen par exemple, non, je vais avec ceux qui ont les mêmes origines que moi, comme ça moi je suis sûr que ça va pas être pour moi-même, même pour le bien de tous, bon, moi je suis sûr que ce qui a été tranché, ça n'a pas été par sentiment de par racisme, d'accord, par haine raciale. Ve'en osin sanedraot, donc on a fini. Ve'en osin iranidachat, on ne fera pas de cité maudite là. Iranidachat, dirtiv otzeta et aisha ou et aisha aï. Le même passage qu'on a rapporté déjà au début de la Mishnah. Pour l'individuel qui fait de la vodazara, il y a marqué tu le feras sortir. Ish ve'isha atamotsi el sha'arecha. Tu feras sortir à tes portes les betdin shebeirecha, au betdin qui se trouve dans ta ville de 23. Ve'atamotsi et kola ir el sha'arecha, ela le sha'aramiyuchan. Par contre, toute la ville, tu ne l'amèneras pas à la porte de sa propre ville, mais à la porte de Yerushalayim, là-bas où il y avait le Sanhedrin. Bisfar, c'est la ville limitrophe. Ir Amavdelet ben Eretz Israël l'Eretz Amim, une ville qui sépare Eretz Israël des Goïm. Veta Amadefa, la raison de ce pasouk, Shema Ishmeu Ovde Kochavim Veyavo Veyachriv ou Eretz Israël. De peur que les Goïm vont ensuite venir et vont pouvoir entrer par là pour aller conquérir le pays, Chas v'Shalom. Les Fikach, En Manichin Ha'ir Tel Olam, Kamishpat Ha'ir Anidachat, El Orgin Et Yoshvea Bilvad. Pour cette raison, on ne pourra pas
laisser cette ville tel olam. Normalement, une fois qu'on a détruit, on a fait l'airen d'achat, on brûle tout et on la laisse tel olam, tel quel, pour l'éternité, on ne la reconstruit plus. On tuera uniquement ses habitants sans détruire la ville. Donc on ne fait pas iranie d'achat. Velo gimel, de quoi on parle? On ne pourra pas faire trois iranie d'achat. De quoi on parle exactement? Gimel ayarim shalosh arayot, ayarot, trois villes. Iranie d'achat be bedin echad ou bimkom echad. Donc on ne pourra pas faire une iranie d'achat avec un seul bedin bimkom echad. Kloma krovim zolezum, qui sont proches l'une de l'autre, aval bishnei mishlosham mekumot aussi. Avec un seul bet din, on ne peut pas faire trois villes en même temps. Il faudra un seul bet din pour faire trois villes séparées. Idem aussi, deux bet din différents ou trois bet din différents pour arriver à l'aboutissement de trois villes détruites. Mais en tout cas, un seul bet din ne peut pas le faire pour détruire trois villes qui sont de proches l'une de l'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, selam.